I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of Last Seed. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Anville pour chercher une quête de la guilde des guerriers. Mais avant tout, on va essayer un mod que j'ai installé pas plus tard que tout de suite. Et j'avais envie de voir à quoi il ressemblait, donc on va faire ça ensemble. Pour mettre autre chose que notre petite tenue cassée. Et j'avais peur qu'elle soit pas très habillée, donc j'en ai installé une autre qui avait l'air assez jolie, mais qui est à acheter. Donc on va essayer celle-ci, on verra ce que ça donne. Et soit ça va, soit ça ne va pas. Et si ça va pas, et ben on ira acheter. Ah, il y a 4 tenues, oui, bien sûr. Est-ce que ça va avec. Oh, ça va, c'est pas trop déshabillé en fait. Ça j'aime pas parce que c'est une couleur que je n'aime pas. Je crois que je préfère la noire. Et ça, on va prendre la noire. Voilà, et on va reposer les autres. Comme ça on sait où elles sont. Et comme ça on a changé un petit peu de mercredi. Fermez les yeux, voilà. C'est très bien. Et voilà, c'est bon, cette fois nous sommes habillés. Voilà, alors On va se rendre au magasin. Je vais vous montrer la tenue que j'ai installée. Donc évidemment, vu que ce sont des nouveaux mods, les deux liens sont dans la description. Et s'ils ne le sont pas, vous pouvez me crier dessus pour que je les mette, parce que ça voudra dire que j'aurais oublié et que ce n'est pas bien du tout. Donc voilà. Salutations. D'ailleurs, je vous demande de me crier dessus pour que je les mette si jamais j'oublie. Je vous écoute. Parce que j'ai pas envie de mettre un mode sans qu'il y ait le lien dedans. Parce que j'ai dit que dès que j'en rajoutais un, je mettrai, et j'ai pas envie d'oublier. C'est-à-dire que je vais avoir confondu. C'est là-bas. Ah non, faut pas que ça. Non. La nuit tombe, ça ne va pas du tout. Ayez pitié d'un vétéran de la guerre. Aucune pitié, je veux aller à mon truc avant que ça ouvre. Avant que ça ferme. Pardon. Doré, ce n'est pas ça. Trancher quand même, je vous en prie, allez-y, je vous écoute. C'est là, vite. Ouf. On a failli être après la fermeture. Si vous êtes venu à la divine élégance, c'est que votre mise vous préoccupe. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez chez Paloniria, vous ne le trouverez nulle part. Ça tombe bien, normalement, c'est toi qui. Faisons affaire. C'est toi qui l'as. Voilà, c'est celle-ci, c'est cette tenue-là. Donc on l'achètera un jour, mais comme vous voyez, toutes nos économies vont y passer. À bientôt. Donc voilà, plus tard. Pour l'instant, nous nous rendons à Anville. Quoique, oh, c'est vrai qu'en bas, elle est pas très habillée. Bon, ça, voilà, on va la mettre comme ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors, on continue. Je crois qu'on a fait toutes les quêtes à Shedin Hall et que du coup il nous faut deux quêtes à Anville et ensuite on se lance dans l'assaut final. Il fait pas très beau, hein. Des tempêtes et tout. Alors, il doit être en train de dormir, je suppose, vu qu'il fait complètement nuit. Que me vaut ce plaisir? Est-ce qu'il dort avec les autres ou pas? Je sais pas trop, hein.
Parce que je l'ai pas vu en bas. Je vous salue. Bonjour. Je n'ai jamais lu les écrits de Tisplume, dites ce que vous avez à mais j'ai entendu dire qu'ils sont très intéressants. Elle voyage beaucoup dans le cadre des recherches qu'elle effectue pour ses livres. Tous ces voyages l'aident à rester en grande forme. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à retrouver une bonne forme physique, moi aussi. Elle doit donner des entraînements. Il va plus être là. Il est plus là. Bon, bah on va attendre, je crois qu'il commence à 10h, lui. Hein. Un truc comme ça, donc on va attendre 9h. Voilà. S'il commence tard, évidemment. Je sais plus comment il s'appelle. Azan ? Oui, voici un dernier contrat. Merci. Ah, un seul. Il ne me reste qu'une mission à vous confier, mais elle est importante. Oh, la pierre de Sainte-Alessia a été dérobée dans la chapelle de Bruma. Pierre de Sainte-Alessia. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais ici notre foi est grande et la pierre est très importante. Allez parler à Siroc à Bruma. Il vous donnera tous les détails nécessaires. Je crois qu'elle n'est pas évidente celle-ci. Hein. La pierre de Sainte-Alessia. Parlez de ce contrat à Siroc. Oui, oui, oui. Que je sois fier de vous. Mais tu es déjà fier. Allez, on y va. Alors. C'est un... Oui, oui, c'est un plaisir aussi. Mais je suis pressée, je dois sauver une pierre magique. Alors, oh là. On va se rendre à Bruma. On va déclencher la quête et moi je vais vous laisser. Parce que j'ai cours. Alors très bien, vous voyez, j'en suis réduite à vous faire des 20 minutes ajoutées aux uns aux autres pour que vous n'ayez pas trop de retard. Donc voilà. Mais je vais y arriver comme ça. Ça me paraît une bonne solution. Donc la chapelle est juste là. Donc ça c'est pas mal. Ah, mysticisme éteint la crue. Ça c'est encore mieux. Où es-tu ? Je sais, je viens de lui passer devant, je le regarde s'il n'y a pas. Je marche sur les. Je vous souhaite la bienvenue. Vous devez faire partie de la guilde des guerriers. Nous apprécions votre aide. Merci. Parlez-moi de la pierre de Sainte-Alessia. On dit que la pierre fut bénie par Alessia elle-même, et que tant qu'elle est en notre possession, notre église ne craint rien. La relique nous a été dérobée il y a peu de temps. On a vu un groupe d'hommes quitter la chapelle la nuit où la pierre a été volée. Nous pensons qu'il s'agissait de bandits. Ah, des bandits. Apparemment, ils étaient 4 ou 5 et ils suivaient la route vers l'est. Je vous en prie, trouvez la pierre de Sainte-Alessia. Ok, bon, on va commencer. /save. Sainte-Alessia. Trouvez la pierre, je vous en prie. Oui, mais je comprends. Je vais m'en occuper. Alors... On va prendre quelque chose de plus puissant. Peut-être une invocation aussi pour rigoler un petit peu. On va prendre un zombie, c'est bien les zombies. Et on va... Est-ce qu'on le fait? Ouais, on le fait à la main. Allez, allez, soyons fous. Ne sautons pas trop haut pour pas faire de dégâts de chute. Et on est parti. On est parti. Alors... Il fait bien nuit. Ça c'est notre petite maison. J'aime bien notre maison, elle est sympa. Je me souviens plus très bien comment ça se... Ah, je devine que c'est vous qu'on envoie nous retrouver. Cette satanée pierre ne valait pas tous ses efforts. Où est-elle ? Nous l'avons volée, je ne vous le cacherai pas. Je suis le dernier survivant. D'accord, on a volé la pierre, mais on n'était pas les derniers à la voler. Nous avons été attaqués par toute une bande d'ogres. Des ogres amateurs de pierres précieuses, apparemment. Je suis le seul survivant. Si vous voulez la pierre, un seul mot, c'est d'or. Quoi ? Qu'est-ce que c'est d'or ? C'est où ? Ce n'est pas loin d'ici. Je vais marquer l'endroit sur votre carte. Maintenant, laissez-moi seul. Bah bien sûr, et puis tu veux... Poursuivez, tu vas voir, je m'en moque. Bon, alors...
Ah oui, donc c'est loin d'être aussi évident qu'une bande de zombies. Qu'une bande de bandits, pardon. N'importe quoi, une bande de zombies. Ah là là! Donc, très bien, nous allons aller. Aïe! Dans cet endroit. J'ai trouvé une mine. J'ai oublié de noter les noms des endroits que j'avais découverts. Je suis nulle. Ça c'est pas de bol. J'ai pas vu venir ça par contre. Ah l'aide. Il est où le bandit là? Au moins qu'il servait quelque chose. Aide-moi. Aide-moi. Regarde là-bas, il y a un méchant. Tu veux pas m'aider? Si tu t'enfuis, moi aussi. Je veux pas mourir. Dis, attaque-le. Vous ne mourrez jamais. Attaque. J'ai déjà affronté des crabes, des vases plus redoutables que vous. Tue-le. Du coup, on va se mettre à quatre pattes et on va y aller en mode discret, et puis avec, puis on va mettre notre casque dès qu'il nous verra plus, lui. Puis on va faire un détour aussi tant qu'on... Ah d'accord, ah bah, oh mince, j'ai déjà découvert, tu bête. Ce sera plus simple, on risquera moins de se faire massacrer en fait. Non loin d'ici, il a dit, hein. C'est à 50 000 km. C'est d'or. Bah, je suis déjà rentrée dedans ou pas du coup? Vu que c'est déjà découvert. C'est pas là où je m'étais faite massacrer. Je ne sais pas. Bref, donc moi je vous laisse ici et je vous dis à tout de suite. Alors nous en étions à aller nous faire manger par des ogres. Et voilà, ça peut aider, je pense. Donc on va vite être fixé sur le fait de savoir si c'était bien ici que tout s'était mal passé dans cet endroit. Donc du coup j'ai pris un zombie, mais je sais pas si c'est le mieux. Hein. De toute façon, l'invocation la mieux, je crois que je vous l'ai dit. Ou alors je vous ai dit que ce serait une surprise. Et si je vous ai dit que ce serait une surprise, eh bien ce sera une surprise. Donc... on verra plus tard. Ah, ou alors j'avais découvert cet endroit mais je l'avais pas visité. À moins qu'il ait été réinitialisé entre temps. Ce qui est possible aussi. Ah, il y a un gros ogre là. Je sais pas trop comment on va se débrouiller, hein, parce que... On va rester en haut tant qu'on y est. On va se débarrasser du haut. Alors attention au piège. Parce qu'on reste quand même dans un endroit chiant. Ruine Eyelid. Quand même des pièges. Non mais... D'accord. Vachement efficace le galopin. Trop bien. C'est par là la sortie je crois. Aucune idée. Alors on va prendre un zombie. Un zombie, on va prendre cette carte là. Merci, c'est bien ça. Et là, on va prendre ceci. Oh,
il a one-shot mon zombie, c'est merveilleux. Bon, ça va faire comme les trolls en plus compliqué. Pardon. Tout va bien. Je ne suis pas mourante du tout. Que nenni. Ma santé est absolument parfaite. Le prochain coup ne me tuera pas. Je maîtrise parfaitement la situation. Nous ne sommes pas en danger de mort du tout. Niette. Ah, faut que je fasse gaffe parce que les dégâts de chute seront mortels. Comment cacher? Très bien. Qui reste caché. Vous comprendrez aisément pourquoi. Voilà, super. Super, super. Charger. Sauvegarde automatique. Bon, tant qu'à faire, on va essayer de pas prendre de dégâts plutôt. Là-bas, on va pas y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah, c'est mon cheval. Attention, mon cheval. Tu veux t'occuper de méchants, occupe-t'en. Il est plus intéressant que moi. Hein. Oh non, je suis morte. Ah! Ah, on aurait tellement pu l'avoir cette fois. Ah! Salut! Dis donc, t'es réapparu loin de la porte. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je vais bien, tout va bien. Oh merde. Ah. J'espère qu'il va pas récupérer de la vie entre temps. Viens là. L'autre l'a repéré. On va faire sur les deux. Oh. Faut pas que je revienne de ce côté-là parce que sinon on n'a pas fini. On va s'en sortir. Faut que je prenne pas de dégâts du tout en fait. Destruction de talent accru. Allez, viens. Ouh. On a un ennemi commun, tu veux pas m'aider? Je vais mourir là. Je sais pas comment te faire pour pas prendre de dégâts et pour rester de ce côté-là pour pas attirer l'autre. Je voudrais garder mes potions pour autre chose. Oh merde, je fais une bêtise encore. Ah merde, ça y est, il a compris comment fonctionnait le décor. Plus embêtant du coup.
je fasse gaffe à où je vais. Oh merde. Oh non, 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 non. On va y arriver, je proteste. C'est pas possible. Cesse de prendre des dégâts. Tu comprends? En plus, tu as un bouclier. Attendez. Je vais essayer de nous aider. Je sais pas s'il va nous aider beaucoup. Mais on va essayer. Au moins. Ah merde, je croyais que t'allais t'occuper du galopin, moi. Ah mais sinon, il y a une autre solution que j'ai à laquelle je n'ai pas pensé. Qui m'éviterait de faire du corps à corps. Mais oui! Je suis bête. Ce sera plus long, mais ce sera moins dangereux pour moi en même temps. Faut que je fasse attention que je vais pas rentrer. C'est bien, tu ne bouges pas. Tu attends gentiment que je te tue. Voilà. C'est bien, gentil. Sage. Ne bouge pas, ne bouge pas. Reste au même endroit, c'est plus facile pour moi. Ne bouge pas, c'est bien. On bouge de manière prévisible, c'est très bien. Gentil ogre. Hop. Ah, c'est bien. Voilà. J'espère que je me suis pas tué en sautant. J'aurais très bien pu le faire. Ah voilà, on sauvegarde. Donc on en a eu un, donc on va retourner sans risquer de découvrir le campement devant Cédor. Et on va continuer par en haut. Ça me paraît bien, par en haut. Comme ça, on découvre à peu près tout ce qu'il y a. On peut fouiller les trésors et on est sûr de n'oublier aucun ogre. De toute façon, on finira bien par trouver la pierre si on fouille tout. Donc c'est parfait. Alors, il était par là, cet ogre. Donc on va aller voir ça. Ah bah déjà, ça je prends. Ça je prends. Ça aurait pu être un piège ça, j'ai été un peu folle de monter dessus. Mais bon. Tentative. Hop 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 hop. Ah! On prend tout. Hop. Et il n'y a rien d'autre par là, donc c'est parfait, on a bien fait de commencer par là en fait. C'était nickel comme idée. La question... C'est que je ne me souviens plus du nom de la quête, donc on va l'appeler comme ça. Comme ça c'est très bien, c'est un très joli nom en plus. Alors, on descend. On va devoir se faire un autre ogre. Ah. Ça peut être intéressant. Chose, c'est nickel. Ok. Très bien. Allez, brûle. C'est bien. Un bon ogre est un ogre.
Mort. Je suis là. Ici. Mon ami. Viens par ici. Je sais pas où je vais là. Je prends des dégâts. Vas-y, saute. C'est bien. Bravo. Ah, c'est pas un zombie, c'est un ogre. Alors du coup, je vais peut-être essayer. C'est un peu de la folie, mais c'est pas grave, je vais faire ça. Ok, je vais mourir. Mauvaise idée d'essayer ça. Non. Ça dépend. Si tu me proposes de l'ogre grillé, on peut négocier. C'était moi qui t'achevais. Bougre. Méchant, méchant. Meurs. Méchant. Ah, mais... Mais fichtre. On l'avait en plus. Ah, c'est chiant ça. Pas chasse de bêtises. On l'avait tellement tout à l'heure. Ah, je suis frustrée. Bon, je fais n'importe quoi du coup. C'est pas bien, c'est pas bien. Bouge de là. Attendez. Je l'ai gâché dans l'air. Trop doué. Je suis drôlement impressionnée. Côté dans tout ça, c'est qu'on combat dans la neige et c'est super beau. Et on meurt dans la neige aussi, alors ça c'est un avantage inouï. Alors du coup, je crois qu'on va repasser à cette technique. Qui est... Occupe-toi du gobelin. Non, tu n'aimes pas le gobelin. Aide-moi. Fais un effort d'efficacité aussi, ami gobelin. Ami galopin, fais un effort. Tchoum.
déconcentrer les hachos. Non. Non, pas maintenant. Non. Je ne veux pas mourir. Non mais... Connerie de gobelin, c'est pas moi qu'il faut attaquer. C'est l'autre là, c'est l'ogre. Non mais où, n'importe quoi. On aura tout vu. Allez. On retourne à Cédor. On attend une heure. Hop. On refait une jolie petite sauvegarde. Entre chaque ogre. Comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. Et on est reparti. Et on va descendre un petit peu, mais on ne combattra pas le prochain parce que je n'aurai pas le temps. Vu que c'est encore par un coup de 20 minutes que je vous fais la suite. Donc, en espérant pouvoir visiter la petite salle sans qu'il y ait d'autres méchants juste à côté, ce serait super. Ce serait franchement bien. Comme ça, on pourrait voir un petit peu. Enfin, moi surtout, parce que je suis curieuse. Je me souviens plus exactement... Quoique si, je crois que je me souviens de la dernière salle. Or, vaguement, hein. Très vaguement. Et j'ai hâte de revoir comment c'est. Donc voilà. Casque du noyer, c'est sympa. Alors, on va aller dans cette petite salle parce que là, il n'y a pas d'ogre apparemment. Enfin, pas tout de suite. Oh, c'est gigantesque. Et là, il va y avoir un ogre. Tout de suite. Je vais là. Votre discrétion, talent accru, c'est bien, mais je suis perdue. Oh. La baisser à distance. Baisser ailleurs, du coup. Faudrait trouver un pouce-pouce. Je sais pas où il y a des pouce-pouce. Voilà, donc on combattra lui après. Alors voilà, c'est vrai, j'étais sur le point de me faire repérer. Ah non, ça va en fait, il fait le tour. Ok, va. Bonjour. Ah, par contre, attendez, j'ai un souci. Ok, alors je recule par là déjà. Je recule encore un peu. Je vais à ma gauche. Je vais à ma droite. Merde, je reviens à ma droite. Donc ce sera sur ma gauche. Donc là. Y'a pas de piège? Là. Ah. Oh bah c'est malin. Ok, c'est bon, on est là. Tout va bien. Ah! Ah! C'est bon. Tout va bien. J'ai peur, mais ça va mieux. J'ai très peur. Bref, c'est pas passé loin, je crois. Alors. Le campement. Ah, c'est vrai qu'il y avait une chute là. Ah, aïe. Tu me fais mal, gros méchant. Méchant ogre. Faut être clair, hein, pour me tuer.
ça, ça me touche, ça fait très mal. Ça, ça me touche, ça me tue. Non, ça me tue pas, ça me tue en 3-4 coups. Il est loin à mourir, mon dieu! Oh là là, ils vont tous être aussi lents! Il n'y a pas vraiment de... de soldats pour m'aider dans le coin. C'est malheureux. C'est quand que tu meurs? Voilà, merci bien. Alors, on va sauvegarder, on va retourner devant Cédor. Si c'est bien le nom, c'est bien le nom. C'est parfait. Et on va attendre une heure. Mon cheval va à l'abri. On va attendre une heure pour regagner toute notre santé. Et on va sauvegarder. Voilà. Alors, maintenant. Quel est le chemin que j'ai emprunté? C'est une bonne question. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je ne sais plus. Du coup, c'est... Enfin, longtemps, tout est relatif. Il y a déjà plus longtemps que ça. Alors, on va aller à gauche. Du coup. Par là. Ensuite. Ensuite, c'était à droite. Voilà, c'est ça, hein. On va aller voir. Je dois retrouver la pierre qui a été volée, si je me souviens bien. Il était dans cette pièce, voilà. Le méchant était là. Ah, il n'y avait rien. D'accord, très bien. Même pas de trucs sur les murs. Et là, c'était fermé, il me semble. Et il n'y avait rien sur les murs non plus. D'accord. Bon, bah, demi-tour. On va aller... Ah, il faut que j'aille là. Bon, on va aller là. On va vider la ruine, hein, quand même. Donc, tant qu'à faire. Bon, là, je vais encore bien. On va aller par là. Ah bah, là, il n'y a rien. D'accord. Ok, je vous ai pas laissé regarder ce que c'était. C'est pas grave. On va regarder. Un autre traîtrise. Acrobatie, marchandage, armure légère, sécurité, discrétion, éloquence. Je crois que j'ai particulier en plus. Alors éloquence, c'est parfait. On va aller. J'ai envie d'aller. Bah écoutez, du coup. J'ai envie d'aller là. Bon, là on va encore bien. Alors, la question est par là. Par là plutôt d'abord. Voilà, comme ça on a fait tous les côtés avant l'endroit où visiblement il y a la pierre. Comme ça c'est mieux. C'est en face je crois. Non, c'est à gauche la sortie. C'est par là. Vérifie, c'est ça. Pourquoi il ferme et il l'ouvre ensuite, c'est bizarre. C'est par là, hein. C'est ça. Ils ont des drôles de manies des fois. Alors. Ok, j'ai tiré dans le vide, c'est pas grave. On va se mettre là. Et continuer à tirer dans le vide. C'est très bien, ça me paraît un bon plan. On va aller par là. Dis donc, la luminosité est très, très claire. Un
Je crains les dégâts de chute, cela dit. Hein. Bah c'est nickel. Prends-toi des dégâts de chute, fais comme moi. Imite-moi. Non bah j'ai perdu moins de points de vie que si lui m'avait connu. Hein. Je me disais bien qu'il y avait un endroit sur ce rocher où ça allait faire des dégâts de chute à force. J'adore faire ça, c'est trop bien. Mumuse. Ah, Mumuse plutôt. Ah si, ça va. Bof bof. Vas-y, reviens. Ah, j'ai pris un dégât. Ah, il y a un truc qui me bloque. Ouais, je suis à la limite en fait, je suis vraiment à la limite du décor. Mais vas-y, mais meurs! Allez, meurs! Moi je tire dans le vide. Allez, meurs! Allez, allez, allez. Décède. Gentil petit ogre. Meurs, meurs, meurs. Ah, c'est bien. Je brûle ton cadavre. En plus, tu me donnes des sous. Tu es gentil. Alors, on va là. On attend une heure. J'ai bien envie de faire une vraie sauvegarde parce qu'on n'est pas loin... Pas loin d'être tranquille avec tous ces ogres là. Hop. C'est d'or. Voilà. Et donc, si je ne m'abuse, c'était à droite, on arrive en bas. Et je pense qu'on va prendre l'escalier qui mène à l'autre côté. Il y a un escalier à gauche et un escalier à droite, et escalier à droite me paraît éloigné de la pierre où nous voulons aller. Donc j'ai bien envie de le prendre. Oui, il amène à l'opposé, il amène tout là-bas, donc on va faire ça d'abord. Et ensuite on fera le reste. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? Il n'y a rien. Ah si, il y a des trucs. Non, l'autre côté j'ai dit d'abord. Allez, autre côté. S'en sortira-t-on un jour avec tous ces ogres, ma foi? Permettez-moi d'en douter. Il y en a trop, c'est une horreur. Il meurt pas vite, hein, dis donc. Ah, j'en vois un. C'est pas rapide à tuer, hein. Je crois que c'est quand même le gros défaut. Ils sont très longs à tuer. Donc je peux rester accroupi, je reste. Hein. Simplement parce qu'il y a celui d'en face. Ah, dont je ne veux pas qu'il m'attrape, mais alors là c'est bon. Voilà, et là c'est à gauche la sortie, c'est ça, c'est ça. Je voudrais pas en attirer deux en même temps en fait, c'est ça le truc. Oh mais tu peux rester de l'autre côté de la porte fermée, ce n'est pas un problème du tout, au contraire. Ce serait même un plaisir pour moi. Là je me bouge par contre. Tadam, ça j'ai encore loupé. Faut que j'arrête de tirer ici, je perds des... de la mana pour rien en fait. Pareil. Clap clap clap. Ce soleil, on n'est pas vampire hein, pourtant.
serait vampire, je dis pas, mais là c'est pas le cas. Hein. Allez, allez, on tient bon bout. On tient le bon bout d'ailleurs, on tient bon bout, ça ne veut rien dire. Alors, on va y arriver. Chose terrible que la fatigue, ça nous fait dire n'importe quoi. C'est honteux. C'est pas par rapport à ça, hein. C'est par rapport à tout. Des fois, il y a des choses, ça veut rien dire. La bombou, ça veut rien dire, mais bon, ça va encore. Alors, tu décèdes bientôt, toi, non ? Tu veux pas ? Tu veux pas ? Tu veux bientôt, non, s'il te plaît ? Allez, mais là, tu es censé mourir, là. Tu peux pas survivre à tant de blessures. Ah ! Oh putain. Ça s'est joué à pas grand chose hein, pour nous. Hein. Mais alors, ah, vraiment, vraiment, vraiment pas grand chose. On va attendre une heure. C'est bon, voilà, on va refaire une sauvegarde comme ceci. Hop. Et c'est surtout que je veux vraiment tout visiter dans les ruines Alidéite parce que des fois on trouve des objets mais vraiment bien. C'est même pas des fois, c'est très souvent on trouve de très très bons objets. Là par exemple l'anneau il est super fin, j'aurais pas déjà deux anneaux que j'aime beaucoup. Je l'aurais mis parce que il est bon. Il est vraiment bon, ça c'est sûr. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça en vaut la peine. Allez, c'est là qu'il faut que je me rétrécisse à cause de l'autre. Rétrécisse. Ah, accroupisse à cause de l'autre, voilà. Ça a tout de même plus de sens. Alors, du coup. Est-ce que. Ah, ouais, je suis loin quand même. Enfin, assez loin. Si ça se trouve, il fallait y aller parce que si ça se trouve, l'autre porte qui mène à la pierre est fermée. Et il faudra appuyer sur un truc, quoique je ne sais pas si les ogres sont suffisamment intelligents pour la cacher derrière des portes qui ferment à clé. Vu qu'ils l'ont volée, ce serait étonnant, mais bon. Bah, c'est pas très lourd. Hein. Ah, grand anneau de vision nocturne. Voilà. Nous l'avons trouvé. L'anneau dont je vous parlais depuis le début, depuis le tout début, donc je crois que j'en ai créé un moi-même, ou alors on l'a trouvé, mais alors c'est... Anneau base, vision nocturne. Mais l'anneau que j'ai toujours eu, c'est le grand anneau de vision nocturne dont je me suis toujours servi sur le plan d'Oblivion. Alors quelle est la différence ? Effet permanent, il n'y en a aucun, c'est juste le nom. C'est étonnant, j'en aurais fait un plus lourd, mais bon, en même temps... Non, ça laisse plus de chances d'en trouver un, ce qui est pas plus mal en fait. J'ai rien dit. Faire un plus lourd, ce serait idiot, vu que dans tous les cas, c'est une bague. Sous quel prétexte on en ferait un plus lourd, je ne sais pas. J'ai fait des propositions idiotes, c'est pas grave. Ça arrive. C'est vraiment des propositions idiotes qu'on fait de bonnes propositions une fois tous les 100 ans. Alors, bien. Bien. GG Wellplay. On va où là? On va pas là en fait. Voilà. Bah en fait si on allait là. Bon, c'est pas grave. Tu es prêt à faire 2-3 petites choses rigolotes? Tadam! On va l'attendre. Normalement la sortie c'est là, c'est ça. Donc on va l'attendre et puis on va lui tirer dessus quand il va arriver. Ça va être rigolo. Alors, bon, si on tire dessus, pas à côté. Voilà. Voilà. Alors je fais n'importe quoi. Ce n'est pas grave. C'est pas très grave, on va dire. Alors, tout droit. Faut que j'arrête de dire alors. J'arrête pas de dire alors. Alors, soit. Où va-t-on?
Nous allons là. Alors là, j'ai dit que j'arrêtais de tirer dans le néant. Je vais en profiter plutôt pour recharger ma mana qui est chargée à bloc. Donc pour être inutile. Ah là, j'ai réussi cette fois. On s'enfuit. Voilà. Hop. Tu vas là. Mon petit, où vas-tu? Ça c'est marrant ça. Il essaye de faire demi-tour pour me rejoindre mais il n'y arrive pas, il est bloqué. Et il se retourne pas pour autant. Il faut que je remonte tout ce qui va attirer l'autre. C'est pour bien le blesser. C'est tant mieux. Vas-y, viens. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques juste de m'attaquer, c'est tout. Alors, c'est magnifique le combat sous la neige avec les flammes de nuit. Moi qui saigne partout, qui laisse mon sang sur la neige. Que c'est beau! Bref, alors. Je vais mourir de dégâts de chute encore une fois. Nous battons sur la montagne. Battons-nous sur la montagne avec un mob. On n'est pas près de le... Ah, ah non, 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 non. Bon, là, j'en ai marre, tu décèdes. Vas-y. J'attends, je te regarde. Fais-moi un beau décès. Vas-y. Allez. Allez. Allez, merci. Dans Dogre, très bien. Donc on va se baisser. Et on va retourner devant la ruine. Encore une fois, hein, c'est très, très répétitif. Mais c'est efficace. Donc on en profite. Comme ça, on aura bien tout vidé. Alors, slash, save, azeli, ce, c'est d'or. Tac, tac. On se remet en comme ça, voilà. Et on retourne visiter. Hop. Alors, c'était à droite, en bas. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. Après, c'est à gauche en montant l'escalier. Voilà. Et logiquement, on est presque à la... Il était là, lui? Oui, sûrement. Ah ouais, non, non, on n'est pas encore du côté... oh là là. Comment on va faire? J'espère qu'elle n'est pas gigantesque hein, quand même. J'aurais bien avancé dans les quêtes et arrivé à la guilde des mages. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un ogre ça? C'est marrant comme une forme d'ogre. Il n'y a rien là. Très bien. Oh bah, il nous aura donné deux potions lui. C'est bien. C'est raisonnable. Donc là il nous manque ce coin là. Et puis après on pourra aller voir la pierre. En espérant que ce soit ouvert. Parce que j'ai pas vu de truc qui ouvre ou qui ferme. Ça va être le dernier de ce côté-là. Il m'a pas vu. Est-ce que ça nous rapproche ou ça nous éloigne de la pierre? D'accord. Est-ce qu'il y a y a pas de piège dans cette ruine? C'est étonnant. Oula. Quel est cet endroit? J'ai envie de rester là. De faire le tour de la pièce plutôt que de ressortir de la ruine. C'est étonnant, n'est-ce pas? Parce que je vais mourir lamentablement si je fais ça. Je sais pas, j'ai envie. De mourir, non, mais d'essayer. Ouais, ok, c'est mort. On sort. Ouah!
c'est là. Je pense que je vais pas me retourner tout de suite. Hein. Je suis pas en bon état. Voilà, il ferme pas les portes, lui. Comme par hasard. Quand ça m'arrange pas, il le fait pas. Enfin, quand ça m'arrange pas qu'il ne le fasse pas, il ne le fait pas. Et quand je m'en fiche, il le fait. Ces ogres ont le sens de la contradiction. Alors. Bon bah ma mana est bien, ma vie beaucoup moins. Faut pas que je me tape des gâchis là. Allez. Ah il fait nuit, super. Je viens toujours avec à peu près le même nombre de... J'aille doucement dans le mollo. Allez, allez, attention. J'ai pas le droit à l'erreur et je vais en faire très certainement. Donc, je voudrais pas qu'on ait fait tout ça pour rien. Ce serait un peu dommage. Tout ça parce que j'avais envie de tester autre chose. De changer de décor sur tout combat. Parce que même si il y a de la neige, c'est assez répétitif quand même. Et du coup j'avais envie de rompre un peu ça d'habitude pour changer, mais j'ai cru qu'il était mort et que son cadavre était en train de tomber, mais que dalle. C'est bon, on l'a eu, on le récupère, hop, on se baisse, on revient devant ces dents. Ah, voyage rapide que sur la grande map, j'avais jamais essayé en petit comme ça. Ça doit être pour ça qu'à l'intérieur des bâtiments on ne peut pas le faire. C'est une bonne explication. Alors, slash save Azonis Cedor. J'ai attendu une heure ou pas? Non, que dalle. Donc, je viens de faire un truc très dangereux. Là, on fait une vraie sauvegarde. Une vraie sauvegarde, c'est que quand on est en sécurité, parce que là on est en sécurité, on n'est pas vu, et quand on a de la vie. Je vous dis ça parce qu'une fois j'ai fait une sauvegarde rapide, en fait, je me suis mis à faire des sauvegardes avec des noms. Parce qu'une fois j'ai fait une sauvegarde rapide en étant vampire, après une téléportation. Un endroit où il y avait du soleil, parce que j'étais à un endroit où il y a du soleil, je voulais aller à un endroit où j'étais juste à côté d'une porte pour me protéger. Et le problème c'est que du coup avec cette sauvegarde, et bah dans les deux cas j'étais morte. Donc voilà. Et je sais plus pourquoi j'avais pu me téléporter d'où j'étais, mais ou alors il y avait des gens, je sais plus. Bref, dans les deux cas j'étais en danger de mort et du coup ben sans possibilité de faire quoi que ce soit, parce que j'avais vraiment quasiment plus de vie. Hein. Je se gardais vraiment au dernier moment. Et du coup, et bah blanc, la partie était fichue. Alors là, il n'y avait rien, on est venu là pour rien, si ce n'est pour tuer un autre ogre. Et là, donc on va aller à droite, on a tout visité, c'est parfait, il ne nous manque plus que l'endroit où visiblement il y a la pierre. Et je n'ai vu rien pour faire du pouce-pouce aux portes, donc ça doit être ouvert. Ouais bon, il y a ce pouce-pouce là. Ah ouais. Ah ils le prennent comme ça. J'ai dû ouvrir quelque chose. Je sais ce que j'ai ouvert. Je sais très précisément ce que j'ai ouvert. Vous vous souvenez quand je vous ai dit il y a une porte qui est fermée, il doit y avoir un bloc pour la pousser à distance? Ben je pense que c'est ce bloc là. Donc je pense que ça a ouvert la porte qui est là. Et c'est ça. Donc c'est bon. Hop, sauvegarde. Et là, il y a ça pour pousser l'ouverture de l'autre porte qui est ici. D'accord, très bien. C'est ça. Donc là, on peut y aller, hein. On va pas se retaper tout le chemin. Où est le piège ?
J'ai trouvé la pierre de Sainte Alessia à Cédor. Il faut à présent que je la rapporte à Siroc au temple de Talos à Bruma. C'est tout? Le piège, c'est qu'il fallait comprendre comment ça fonctionne en fait. D'accord, bah ça fonctionne comme dans toutes les ruines Aileïdes. Non, ça se prend pas. Bon, alors. On file, du coup, il n'y a pas de. Pas de piège. Non, mais c'est une ruine Aileïde quoi. Ça peut pas être uniquement plein d'ogres et sans rien d'autre. Bizarre. Ou alors j'ai pas vu un piège, je sais pas. Ok, bah écoutez, on va ranger notre arme et on va retourner à Bruma par la voie flémarde. Donc voilà. Par la voie rapide aussi. Et donc nous sommes tranquilles. Ah, attendez. Il faut que je vérifie le nom de la quête parce que... Vous êtes le renard gris? Oh non! Oh mais quel boulet! Oh c'est pas possible. Je fais les coups à chaque fois. Faut que j'arrête un peu de faire ça, ça va pas du tout. Alors, on va se déshabiller de la tête. Voilà. On va vérifier le nom de la quête. La pierre de Sainte Alessia, c'est bon, je me suis pas trompée dans mon numéro... Dans ma nomination d'épisode. C'est pas la numérotation, c'est la nomination. Et encore. Et encore, et encore. Excusez-moi, je vérifie qu'il n'y a rien d'important... Parce que vu que voilà, c'est bon, on s'en fiche en fait. Alors c'est parti, hop, hop, hop. Donc où est-il? C'est lui, c'est toi. Coucou, j'ai trouvé ta pierre. Avez-vous rapporté la pierre de Sainte Alessia? Oui, elle est là. Tiens. Ah, vous l'avez trouvée. Oui. Je ne vous remercierai jamais assez. Mais je vous en prie. Votre travail est très apprécié. Tenez, prenez. Merci. J'aimerais pouvoir vous donner davantage. Non, c'est pas grave. J'ai de quoi acheter des sorts là, en quantité, je pense. Oh, des potions de guérison, super. J'aurais bien gardé la pierre, cela dit. Où il est déjà? Il est à Anvil, il est à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même que quelqu'un d'Anvil nous donne une quête pour Bruma. Pas que là on commence à aller dans les grosses quêtes donc on peut aller bien loin mais c'est un peu bizarre étant donné qu'il y a quand même une guilde des guerriers à Bruma aussi. Alors place pour la guilde des guerriers, j'aurais mis un système Allez. Analogue à celui de la guilde des mages qui est une guilde avec des quêtes par par endroit en fait. Je sais pas, ça aurait été marrant je trouve. On aurait été obligé d'aller voir tout le monde pour avoir des quêtes de tout le monde. Ça aurait pu être sympa. Alors du coup, on va en profiter, nous, pour augmenter notre mysticisme. Parce que mine de rien, il n'est toujours pas à 100. Et j'aimerais bien qu'il soit à 100, comme ça on Je vous en arrêtera prie, d'augmenter continue. Les sorts qu'on ne peut plus augmenter. Et on aura tout ce qu'il nous faut. On ne se préoccupera plus des niveaux. Quelle est la situation au sujet de la pierre de Sainte Alessia? Vous l'avez rendu à Siroc? Oui, c'est fait. Bien joué! Vous avez fait du bon travail pour moi. Ah, j'aimerais en avoir plus à vous donner. La vie est dure en ce moment, comme vous le savez. Voici votre paiement. Merci. Progression? Vous avez rempli tous les contrats que nous avions à vous proposer. C'est vraiment du bon travail. Je vous nomme champion de la guilde des guerriers. Tada! Votre grade est désormais supérieur au mien. Alors j'imagine que je ne peux plus rien pour vous. Mais vous pourriez aller voir un de vos vieux amis. On raconte qu'Oraine vous cherche. Mais vous ne le tenez pas de moi, bien sûr. Beau travail et bonne chance. Merci, c'est gentil. Alors, du coup... Adieu. Du coup, nous... Ça y est, voilà. Les choses sont ainsi faites que toutes les guildes ont une fin et la fin de celle-ci approche à très grands pas. Alors nous allons rentrer chez nous puisque cette quête-là est terminée, que nos petites quêtes de la guilde des guerriers sont terminées, que nous allons attaquer le gros morceau. Gros en raison de son importance et non de sa quantité parce que... On approche vraiment de la grande fin de cette guilde et on va pouvoir attaquer la guilde des mages.
Donc c'est une très bonne chose. Au rythme des vidéos, alors attendez, alors, ce que je vais faire, c'est que je vous avais dit que l'organisation que j'ai mis en place était valable pour jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire à raison d'un épisode par mois. Étant donné que c'est très long à tourner et que ça me prend 5 jours à uploader. Je dis 5 jours parce que si j'éteins mon ordinateur la nuit, ça prend plus que ça. Donc du coup, ça ne reprendra pas tout de suite à un épisode toutes les semaines. Donc je pense que je vais vous faire beaucoup de bibliothèques pour avoir un peu d'avance. Attendez, je regarde ce que je dois laisser ici et je continue. L'anneau de nocturne, on va le laisser ici. Parce que ça sert à rien qu'on en ait deux sur nous. Hein. Faire la place pour ramasser des fleurs. Donc, ça va rester à un épisode par mois. Si j'arrive à tenir le rythme. Jusqu'à... respiration aquatique, j'en ai un. Je vais le garder par principe. Parce que ça me plaît. Ça, c'est lourd, je vais le poser là. T'en prendras la reine. Est-ce que j'ai d'autres choses à déposer? On va aller voir. Donc je vais aller dans des bibliothèques pour vous tourner des livres. Parce que j'en aurai pas assez là. J'en ai pour un mois, pas plus. Enfin, un mois et demi, allez. Parce que j'ai laissé une seule à quelques minutes cette semaine et une autre semaine. Mais j'ai plus rien en avance. Donc je vais vous tourner des livres pour que vous ayez quand même du Oblivion toutes les semaines. Même si c'est seulement des livres, mais bon, il y a 2 heures d'Oblivion à chaque fois. Je sépare pas les quêtes exprès, donc je pense que c'est pas très grave si on a qu'un seul par mois, parce que c'est déjà énorme. C'est déjà difficile à suivre. Mes pierres précieuses ne sont pas là, donc elles sont à l'entrée. Est-ce que je laisse des potions? Magie, santé, magie, santé. Santé. Je vais en laisser là tout simplement parce que. Parce que je vais les garder pour la quête principale parce qu'on va en avoir sacrément besoin. Donc on va ressortir et on va les vendre aux marchands. Poser les émeraudes. Voilà. Poser les émeraudes, vérifier que je n'ai rien oublié. Est-ce que je suis sûre d'avoir oublié quelque chose? Ça je garde. Et ça on va le vendre. Et ça on va le vendre. Voilà. Donc voilà, donc je vous disais, finalement, ça va durer à raison d'un épisode par mois. Jusqu'à l'année prochaine. Et plus précisément, je dirais jusqu'à mai, avril prochain, jusqu'à la fin de mai partiel. Parce que là, je finis mon master en mai. Mais j'ai les cours pour préparer l'entrée à l'école d'avocat jusqu'à mi-juillet. Et je fais une prépa de mi-juillet à septembre. Et je fais le Master 2 en même temps que passer l'entrée à l'école d'avocat et tout ça jusqu'à mai-avril prochain. Donc vous vous doutez du coup que j'aurai pas le temps de vous faire un épisode d'Oblivion de 2 heures toutes les semaines. Donc on va rester sur ce rythme qui est tenable et qui me paraît plutôt bien. Tout simplement parce que sinon, ben... Non seulement il n'y aurait pas d'Oblivion toutes les semaines, mais en plus il n'y aurait rien d'autre de toute la semaine. Donc on va partir là-dessus. Et rester comme ça jusqu'à ce que... C'est bon de vous revoir. Jusqu'à ce que je puisse vous retourner les trucs normalement en fait. Que puis-je vous offrir? Tout simplement. Hop. Ça me semble être... Parce que très dur, j'ai en pas affaire. Envie de vous dire que ça reviendra comme ça alors que je ferai passer mes cours avant. C'est toujours un vrai plaisir. Enfin que je le fais déjà, mais que vous le savez déjà, mais bon là ce sera encore plus compliqué.
Donc je prendrai de l'avance évidemment parce que pour l'instant ce sera surtout des cours du soir cet été, enfin juin-juillet ce sera surtout des cours du soir donc j'essaierai de vous prendre un peu d'avance pour la rentrée où là je pourrai plus tourner du tout. Et c'est le seul moyen pour moi de vous permettre d'avoir quand même Oblivion régulièrement. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous conviendra comme ça. Et je ferai de mon mieux pour le tenir. Ah génial, en plus on a monté de niveau, c'est parfait, on a de la chance. Pour le tenir le plus longtemps possible. Et comme ça après bon, on repartira tranquillement sur du Oblivion par semaine. Et puis quand j'aurai pas le temps, je vous mettrai un petit livre. Et comme ça on sera tranquille et on aura tout et on s'en sortira pour le finir tranquillement. Alors, vous êtes monté au niveau 28. Le fruit du labeur et du dévouement est toujours de la chance aux yeux des autres. Mais vous savez que vous avez mérité votre succès. Alors, on va augmenter déjà notre volonté, ça c'est sûr. La discrétion, oui. La rapidité, c'est quoi? Athlétisme, armure, légère, acrobatie. J'ai envie d'augmenter la force parce que ça augmente la place que j'ai dans mon truc. Donc voilà. Donc c'est parfait. Et donc la prochaine fois, nous attaquerons l'avant-dernière ou dernière quête. Sainte Alessia, finie de la guilde des guerriers. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien, à bientôt.